verra comment accélérer donc une vidéo donnée. C'est-à-dire quand vous dessinez ou bien quand vous faites un tutoriel, on aimerait bien voir les effets comme ceux que vous êtes en train de visionner sur Batman, donc sur le dessin de Batman. Donc c'est un effet qui peut être appliqué sur Camtasia et qui permet de faire défiler rapidement la vidéo. Donc pour concrétiser donc ce que je suis en train de dire, on va dessiner par exemple un petit personnage sur MS Paint. Donc le dessin, comme vous allez le remarquer, donc c'est un dessin en temps réel qui peut paraître très très lent lorsqu'on essaie de suivre les étapes de celui-ci. D'accord? Ici on est en train de faire des yeux. Après, on fera donc une bouche. Enfin, maintenant, je suis en train de couper les scènes parce que c'est très très lent. Et voilà, donc vous pouvez constater que c'est plutôt lent comme dessin. D'ailleurs, quand j'essaie d'écrire Kezaku, ou bien Kezo, par exemple, Kezo, regardez combien de temps est-ce que ça prend. Ça me prend beaucoup, beaucoup de temps. Donc vous imaginez que si vous êtes en train de faire un tutoriel, que c'est pas forcément cool de laisser la vidéo à temps réel, donc ça pourrait ennuyer un peu les auditeurs et les internautes. Donc voilà, on va importer la vidéo que l'on a faite, donc celle qui contient le dessin du smiley. D'accord? On va enlever les effets de zoom. Ok. Et voilà, on va voir à quoi est-ce que ressemble cette vidéo. À partir du moment auquel le dessin commence, jusqu'à sa fin, je vais faire CTRL X, c'est-à-dire je vais couper la scène. Enfin, je coupe la scène surtout parce que en coupant la scène, j'aurai une portion de la vidéo qui est distinguable de la première portion, et c'est uniquement ainsi que je pourrai appliquer l'effet Clip Speed. D'accord? Edit, Clip Speed. Je choisis une vitesse donnée, par exemple 400 de la vitesse initiale. Donc lorsque j'appuie sur play, regardez à quel point c'est rapide par rapport à ce que vous avez vu au début. D'accord, donc l'effet a été appliqué et maintenant c'est cool, c'est hyper rapide. Je vais juste retester pour un effet une vitesse encore plus grande pour vous montrer la puissance de cet outil. Edit, Clip Speed 900 cette fois-ci. D'accord, donc c'est très rapide et c'est efficace, surtout lorsque vous faites des cours de dessin ou bien lorsque vous êtes en train de faire un truc d'ennuyeux au milieu du tutoriel. Donc pour montrer que vous êtes en train de faire votre truc ou bien votre étape, vous allez uniquement augmenter la vitesse pour ne pas ennuyer les internautes. Donc voilà, donc on va un peu résumer quand même ce qu'on a vu. Tout d'abord, on va couper une scène de la vidéo dans la timeline. On appuie sur CTRL X. D'accord? Ou bien CAT. Couper. On va décaler la partie initiale. Puis on va réinsérer. Copier-coller. Donc, maintenant, je vais appuyer sur la portion de la vidéo que j'ai coupée. Je vais appuyer sur Edit, Clip Speed. Et je choisis ma vitesse. Donc, j'espère que cette vidéo vous a été bien utile. Ça a été droit au but, direct et pas ennuyeux. En espérant vous revoir dans un nouveau cours de kazaku.com. Merci.